Bonsoir à tous, je veux dire mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous ai d'abord l'immense plaisir que j'ai d'être ici ce soir. Et puis je me retourne vers l'organisateur, parce qu'ayant moi-même organisé pendant longtemps des conférences, je sais tout le travail énorme, parfois ingrat, et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir un public aussi nombreux. Pour la petite histoire, en plus, je suis ici avec plaisir, parce que quand j'ai quitté la marine pendant quelques années, même pendant, je crois, 3 ans, nous nous réunissions ici une fois par mois pour comploter, organiser divers coups d'État qui, évidemment, n'ont pas marché. Mais donc, c'est avec doublement du plaisir que je reviens en cellule. Donc, je vais vous parler à peu près une demi-heure, sur ma présentation des questions de services de renseignement. Je vais commencer peut-être par vous dire pourquoi est-ce que j'aime le renseignement, parce que généralement quand on s'intéresse à ces choses-là en France, on considère qu'on souffre d'une pathologie grave, qu'on est pervers, qu'on est à la limite tordu, voire débile, parce que c'est une sorte de maladie congénitale dans l'inconscient collectif français de s'intéresser au renseignement. Et indépendamment du fait d'avoir pendant quelques temps servi la République dans un de ces organismes, plus le temps passe, plus je m'aperçois que le renseignement est quelque chose d'utile. Ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi c'est une arme de paix. C'est une arme de paix, c'est-à-dire que c'est le moyen par lequel on peut anticiper les paranoïas, par lequel on peut mieux comprendre l'adversaire, parfois discuter avec lui, et que si on mettait plus de moyens dans le renseignement au sens large, que ce soit en protection ou en offensive, je pense que peut-être nous aurions moins d'affrontements directs. Je ne crois pas que l'antagonisme entre les peuples ou entre les nations disparaîtra, mais quand on le gère avec des moyens de renseignement, on peut parfois arriver à quelque chose de plus peut-être de plus astucieux et de moins violent. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je milite sur ces questions de renseignement, parce que je crois que c'est une autre façon de voir les choses. Elle amène à avoir une compréhension, à rechercher des connaissances, à avoir des points de vue et ce qu'on appelle des positions de perception très différentes de ceux des militaires ou des policiers, qui sont aussi utiles, je ne dis pas ça, mais ça amène généralement une autre perception des conflits internationaux. Avant de vous parler des services français, puisque vous avez compris au titre provocateur que nous avons choisi avec l'éditeur pour le livre, alors que nous posons sous forme de question, hein, ce n'est pas une affirmation mais bien une question, il y a trois raisons pour lesquelles il y a des aspects critiques dans ce livre, mais il n'y a pas que des aspects critiques. La première, parce que nous sommes les héritiers de Descartes et que la pensée de Pascal et que la pensée critique est dans nos gènes. À chaque fois que je vais à l'étranger, je suis frappé par nos défauts et nos recours systématiques à la critique. C'est vrai que nous sommes le peuple de l'autosatisfaction et de l'autoflagellation en même temps, et que nous avons de toute façon un esprit critique infiniment plus développé que nos voisins européens. Deuxième aspect, je crois que quand on croit en son pays, quand on croit en l'avenir, le renseignement est un sujet sur lequel il faut de toute façon émettre des critiques, parce qu'il n'est pas, sans être mauvais, il n'est pas aussi bon qu'il le devrait. Et puis vous allez voir après sur les aspects techniques, il y a vraiment des domaines dans lesquels la critique doit être faite. Et finalement, c'est un peu la trame de mon livre. Je ne critique pas tant, voire pas du tout, ou presque pas, les femmes et les hommes qui chaque jour travaillent dans les services à notre sécurité. Je critique beaucoup plus, parce que, à mon avis, le nœud gordien du problème se situe là. La façon dont nos dirigeants politiques, finalement, depuis l'ancien régime jusqu'à nos jours, n'ont jamais compris l'utilité que nous pouvions tirer du renseignement. Ce qui me frappe, déjà dans la perception que nous avons du renseignement en France, c'est que de toute façon, nous n'utilisons pas les bons mots pour parler des services. Alors, mesdames, excusez-moi, je vais probablement tuer un mythe et vous allez toutes être déçues. Mais déjà, je vais commencer par vous dire que James Bond n'est pas un agent secret, puisque c'est au sens propre un officier des services de renseignement de Sa Majesté. Mais déjà, la façon dont la presse systématiquement, et vous le voyez, je pense, tous les jours dans nos quotidiens comme dans nos hebdomadaires, parle du renseignement, nous avons de toute façon une dénomination extrêmement faussée sur les termes. On parle de manière tout à fait mélangée d'un service secret, d'un service spécial, d'un service de renseignement, qui sont trois réalités différentes. On appelle un agent secret, c'est un indique en fait. C'est la personne que vous recrutez et que vous manipulez pour faire le sale boulot à votre place. Celui qui est arrêté et pendu quand le contre-espionnage adverse découvre la manœuvre, alors que l'officier de renseignement qui travaille en général sous couverture diplomatique est expulsé. Donc on a déjà dans notre approche du renseignement une imprécision sur les termes et sur les réalités que comporte ce métier. Et dans ce livre, Les services secrets sont-ils nuls, j'ai essayé de démontrer un petit peu notre réaction, notre pensée vis-à-vis du renseignement, avant de rentrer dans des aspects plus pratiques. Et il me semblait important d'insister sur ce que moi j'appelle le gène manquant.
comment est-ce que dans notre culture française, dans notre inconscient collectif, nous avons toujours rejeté le renseignement. Et à quelques exceptions près, nous avons effectivement une espèce de terrible allergie à cette profession. Si on, peut-être que là, certains d'entre vous sont, je prêche à des convaincus, mais quand, si on faisait un radio-trottoir dans la rue, les gens vous diraient le renseignement c'est sale, il faut être tordu, il faut être un pervers, ce que vous faites est dégueulasse, c'est de l'intrusion dans la vie privée, c'est du viol de la liberté individuelle. Pour la grande majorité des Français, quand c'est pas le fantasme le plus extraordinaire, on est effectivement dans la défiance la plus totale. Et cette défiance est particulièrement prononcée chez nos dirigeants politiques, qui à la fois sont eux-mêmes, bien sûr, issus du même moule culturel que nous tous, mais qui en plus n'ont dans leur expérience d'homme politique ou dans les connaissances historiques, n'ont de la mémoire que des mauvaises expériences. Donc on a un véritable handicap à surmonter, ce qui ne veut pas dire au demeurant que nous n'avons pas une minorité de femmes et d'hommes dans les services qui font depuis des générations, voire des siècles, un travail extraordinaire, mais ce travail n'est pas reconnu. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est la réalité française et de la comparer à celle des autres grandes nations qui comptent sur la scène internationale. Parce que c'est vrai que si nous nous comparons à nos amis congolais, albanais ou lituaniens, nous avons quand même de bons atouts. Donc, premier aspect, un gène manquant. Le français n'aime pas le renseignement. Et je ne rentre pas dans trop de détails dans le livre, mais ça me semble important peut-être de vous l'expliquer en quelques instants. Je crois que nous avons dans la stratification de nos cerveaux, nous sommes un peuple paysan. Et la tradition paysanne qui est dominante en France fait que le paysan, de toute façon, ne recherche pas d'informations. Le marin, l'anglais, cherche de l'information, parce qu'on ne peut pas prendre la mer sans avoir fait de la veille technologique sur le gouvernail des tambours, sur les nouvelles techniques maritimes, sur les endroits où on va débarquer. Le paysan, qu'est-ce qu'il fait? C'est la vieille tradition française, il laboure son champ, généralement il met des murs autour, et il n'aime pas trop qu'on vienne voir ce qui s'y passe. Mais la démarche naturelle à l'information est beaucoup moins existante dans une culture paysanne que dans une culture maritime. Ce trait me semble beaucoup plus fort que le rapport au catholicisme. Les services de renseignement italiens, les services secrets de Venise, alors qu'on est en plein dans une culture catholique et commerçante, ce n'est pas notre rapport au catholicisme qui est, à mon avis, comme certains le disent, le principal blocage de la mentalité française du renseignement. Alors c'est vrai que quand on est anglais et protestant, il y a un certain nombre de prédispositions naturelles qui les amènent à mieux prendre en compte les questions d'information. Ils sont des choses sur lesquelles nous sommes un petit peu bloqués en France. Et ce qui est très drôle quand on regarde dans les grandes nations occidentales, le nombre d'expatriés, on parle beaucoup des expatriés depuis que nos 7 otages ont été enlevés au Cameroun, eh bien la France a 2 fois moins d'expatriés que les autres nations européennes. La moyenne est à peu près de 5% partout, on va dire entre 4 et 6%, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Allemagne. En France, on est à 2,5%, et je me demande si ça n'inclut pas les dom-toms. C'est-à-dire que déjà, nous nous expatrions peu. Donc quand on a une culture paysanne qu'on ne va pas à l'étranger, obligatoirement les réseaux, l'intérêt que l'on porte au reste du monde est naturellement plus limité. Puis en plus, dans notre culture, et parce que pour moi c'est très... Quand on essaie de solutionner le problème du renseignement, il faut comprendre comment marche le cerveau des décideurs. Notre système éducatif nous amène à avoir des certitudes dès l'âge de 23 ans. C'est-à-dire qu'on sort de Saint-Cyr, de l'école navale, de l'ENA, de nos grandes écoles, eh bien un type qui est major de promo de l'ENA ou de Saint-Cyr, c'est quasiment à 23 ans qu'il sera chef d'état-major de l'armée de terre ou ministre, donc il ne se remet plus jamais en cause de toute sa carrière, il sait par principe. Donc toute nouvelle information qui arrive et qui va venir remettre en cause son point de vue est dans le meilleur des cas dérangeante, dans le pire des cas n'est pas prise du tout en compte. Donc on a vraiment pour des questions historiques, psychologiques et de système de formation, une forme de rejet, très largement inconscient d'ailleurs, de ce que c'est que le renseignement. De toute façon, ça ne sert à rien. On n'est pas capable de toute façon de calculer le retour sur investissement de l'information. Donc il y a ce véritable gène manquant. Et je me suis amusé dans ce livre à montrer à quel point c'était présent dans notre littérature. Dès qu'on recherche la trace du renseignement dans l'histoire, c'est obligatoirement quelque chose de négatif. Donc il nous faut... Premier aspect, il nous faut vaincre cela. Mais deuxième aspect que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est que finalement, à cause de cela, les politiques français n'ont jamais su utiliser l'enseignement à sa juste valeur. Et finalement, quand on regarde sur plus de 1000 ans les affrontements entre la France et la Grande-Bretagne, vous savez, je suis ancien officier de marine, breton et historien, donc j'ai 3 raisons de détester les Anglais, ce dont je ne me prive pas, je vous assure. Mais ils savent faire du renseignement, on sait faire du vin.
Notre culture nationale nous amène à être forts dans certains domaines. Dès qu'on rentre dans le domaine du renseignement, même si nous sommes loin d'être les plus mauvais du monde, sincèrement, on a en face de nous des gens qui ont ça dans le sang, qui ont une prédisposition naturelle meilleure que la nôtre. Je ne vous dis pas qu'elle est 10 fois meilleure, mais là, mon orgueil national et armoricain en prend un coup à chaque fois. Ce sont des choses qu'ils font mieux que nous. Et on le voit bien sûr au niveau des femmes et des hommes qui travaillent dans l'enseignement, mais on le voit surtout au niveau de la classe politique. En France, un homme politique, qu'il soit ministre, qu'il soit parlementaire, qu'il soit aussi chef d'entreprise, puisque j'observe depuis 10 ans dans le domaine du renseignement économique exactement le même phénomène. Comment convaincre un décideur économique qu'il a besoin d'enseignement? Et on retrouve les mêmes comportements. Donc ce blocage et cette non-utilisation de l'information, on le retrouve chez nos décideurs. Ça n'a pas toujours existé dans l'histoire. Louis XI a été notre premier roi pétri de renseignements, extrêmement astucieux, qui n'utilisait quasiment jamais la force dans les conflits, qui a multiplié par 3 ou 4 le domaine royal. Et regardez l'histoire qui reste de lui dans l'historiographie, l'image qui reste de lui dans l'historiographie nationale. Hein, le roi qui ment, qui trompe avec Olivier le Dain et Tristan l'Hermite, le roi qui met ses opposants en cage, ce qui a été qu'un épiphénomène. Et puis, il y a sûrement un certain nombre de raisons pour qu'on les mette à l'ombre aussi. Mais derrière ça, il ressort de l'histoire que le seul de nos... Enfin, ça n'a pas été le seul, mais le premier de nos grands monarques qui a compris l'utilité du renseignement, qui préférait payer ses adversaires, faire de la corruption, tromper, manœuvrer ses adversaires pour éviter d'engager le combat, ressort avec une image terrible, alors que celui qui a été le plus catastrophique de nos rois, François Ier, à qui on lui dresse des couronnes extraordinaires, il s'est planté à Pavie. Bon, mis à part avoir été le grand monarque des arts et des lettres, c'est un monarque absolument catastrophique. Et on a donc, par rapport à nos valeurs françaises, on fait cette différence. Et quand on gratte un petit peu, il me semble avoir trouvé d'où ça vient, c'est que nous n'avons pas de culture stratégique. Le français est un tacticien né. C'est-à-dire que c'est la culture du mousquetaire, on sait se battre dos au mur, hein, contre tous. Mais derrière ça, nous n'avons pas de vraie culture stratégique. C'est-à-dire que les Anglais, à l'opposé des Français, sont à la fois une culture maritime, une culture protestante. Ils ont un vrai sens stratégique, c'est-à-dire la capacité de prévoir à l'avance leurs coups, qui leur évite d'engager leurs forces. Et nous sommes, nous, Français, un peuple tactique par excellence. Et d'ailleurs, on continue de faire Napoléon un grand stratège. J'ai une immense admiration pour Napoléon. Napoléon a gagné toutes les batailles ou presque dans lesquelles il a été engagé. C'est un homme d'État exceptionnel qui a réformé le code civil et le code pénal. Mais Napoléon est tout sauf un stratège, parce qu'un stratège n'aurait jamais envahi la Russie ni l'Espagne. Et la France aujourd'hui aurait la Rhénanie, la Ruhr, les Pays-Bas, serait toujours dans l'Empire français. Donc on fait souvent cette confusion en termes de vocabulaire et de concept. Et le fait que nous n'ayons pas une vraie pensée stratégique, naturellement, nous amène à négliger le renseignement. Je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé quand j'étais jeune officier d'enseignement, c'est de voir l'incompréhension de nos élites sur ces questions-là. De ne pas comprendre qu'il fallait intégrer l'information. Et quand j'étais jeune officier, j'ai un de mes instructeurs qui m'expliquait que juste avant que je rentre en activité, ils avaient fait un échange avec les Britanniques. Et le SDEC, à l'époque, avait demandé à ses interlocuteurs de l'intelligence service en disant « Combien de pages est-ce que vous donnez à peu près par an au gouvernement britannique ?» Et les Anglais leur disent « Écoutez, nous, on donne l'équivalent de 2 à 3 000 pages par an d'information au Premier ministre et à la Reine. » En France, on donnait 20 à 30 000 pages par an. Ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas orienté par un gouvernement, je parle de renseignement extérieur, qui vous pose des questions en disant « ma politique, ça peut être par exemple, j'ai n'importe quoi, annexer la Wallonie, faire en sorte que nous chassions les Anglais des grands contrats d'armement en Arabie Saoudite et en Inde, faire en sorte que, voilà, un certain nombre d'objectifs stratégiques, là, votre service peut travailler, on lui donne des objectifs. » En France, de tout temps, ça n'a à peine changé ces dernières années, quand vous cherchez de l'information, vous sortez un livre qui était à peu près aussi gros qu'un dictionnaire, c'était le plan de recherche gouvernemental. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il y avait quelque chose à chercher. En fait, il n'y avait aucun axe directeur. Et ça, c'est aussi un défaut. Nous avons les services que nous méritons. C'est-à-dire que quand un politique ne dirige pas, ne donne pas des axes de recherche précis à ses structures de renseignement, eh bien, toute l'information qu'elle ramène ne lui servent à rien. Et ça passe, on accumule du papier et on considère que de toute façon les services ne sont pas bons et que ça ne sert à rien. Et puis, il faut aussi dire que le renseignement est un métier artistique. Ce que j'entends par là, encore une fois, c'est que nos classes dirigeantes économiques et politiques sont globalement de culture scientifique aujourd'hui. Notamment dans le monde économique, on sait que 70% des chefs d'entreprise sont des techniciens, que ce soit du CAP Tourneur-Fraiseur jusqu'à l'X-Mine.
essayer d'expliquer la part de la chance et des aléas qui caractérisent la profession du renseignement à un esprit mathématique. Hein, vous commencez une recherche, on vous donne une mission de renseignement, qu'elle soit privée ou étatique, il faut rechercher de l'information. Et le polytechnicien, je caricature et je m'excuse s'il y en a ici dans la salle, a tendance à vous dire, vous devez me faire un plan de recherche avec un T0, vous commencez à rechercher l'information. Le mois suivant, vous êtes à T0, à T+1, vous êtes capable de faire ça. Et puis au bout de 6 mois, vous me ramenez l'information. Or, comme beaucoup de choses dans la vie, le renseignement est une science non exacte et totalement artistique. Pour vous donner un exemple qui sera mieux qu'une démonstration, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé sous Giscard à Madagascar dans les années 70. Un représentant du SDEC avait réussi à infiltrer l'entourage de personnes qui avaient prévu de faire un coup d'État à Madagascar et décroche son téléphone. Il apprend que le coup d'État va avoir lieu le dimanche suivant à Madagascar. Donc, l'officier du SDEC appelle le chef de poste à Tananarive, qui appelle le chef du SDEC à Paris, qui se précipite à l'Élysée en disant « Monsieur le Président, dimanche prochain, les Malgaches font un coup d'État. » Bien sûr, le patron du service est très heureux parce qu'on passe une bonne info. Le dimanche après survient, pas de coup d'État. Alors bien sûr, ça redescend en plus fine. L'Élysée appelle le patron du SDEC, appelle son chef de secteur Afrique, et les types se renseignent. Et il contacte un des deux comploteurs et le type lui dit « Écoute, je suis désolé, j'avais oublié que je mariais ma nièce ce week-end-là. » Donc on a reporté le coup d'État d'une semaine. Mais je t'assure, ce sera la semaine prochaine. La semaine suivante, donc le type remonte à l'Élysée, l'information repasse en disant « Monsieur le Président, désolé, il s'est passé quelque chose, le coup d'État aura lieu la semaine suivante. » La semaine suivante, pas de coup d'État. Donc la chaîne se réinverse. Et le numéro 2 du putsch, excusez-moi, a eu une tourista terrible, a été obligé de sursoir, si je puis dire, le coup d'État une semaine. Et donc il lui dit « Mais t'inquiète pas, ce sera la troisième semaine. » Bien sûr, la troisième semaine, les gens du SDEC étant tellement déconfits, n'ont jamais dit à l'Élysée que le coup d'État aurait eu lieu le troisième dimanche. Et bien sûr, le coup d'État a eu lieu le troisième dimanche. Alors vous allez me dire « C'est l'Afrique. » Mais en réalité, c'est partout pareil. Dès l'instant qu'on travaille sur de la matière humaine, dès l'instant qu'on est dans la prévision, on est dans des situations où nous n'avons quasiment une chance sur deux de se tromper. C'est pour ça que je dis que c'est un métier artistique, parce que ce n'est pas une science exacte, et que ça nécessite en plus des qualités qui ne sont pas nécessairement dans la mentalité française. Donc, nous avons un cerveau national, si je puis dire, qui a d'énormes qualités, mais dans ce domaine du renseignement n'est pas le plus prédisposé à ce type d'action. Et puis, nous avons aussi des élites, à la fois à cause de ce cerveau, mais à cause de leur formation et de leur façon de voir les choses, sont aussi particulièrement réticentes à utiliser l'information, à s'y plier. Alors, c'est non seulement vrai dans l'utilisation de l'information, mais c'est encore plus frappant. Vous ne pouvez, jusqu'à ces dernières années, aucun parlementaire français ne voulait s'occuper de questions de renseignement. Alors que dans toutes les démocraties du monde, les parlements ont décidé de jeter un œil, alors de manière plus ou moins coercitive selon les pays, aux activités de renseignement, tous les parlementaires français se barraient en courant dès qu'on leur parlait de contrôle parlementaire. Encore une fois, c'est quelque chose qui sent mauvais, on préfère laisser l'exécutif s'en occuper. De toute façon, on ne peut pas faire une campagne législative sur le renseignement, ça ne leur permet pas d'être assuré d'être réélu. Donc, il y avait un vrai désintérêt des élus de la nation sur un des sujets les plus importants. Et je vais vous dire, c'est extrêmement grave à mon sens, parce que, pour prendre un exemple historique issu de 1939, notre deuxième bureau en 1939 avait la totalité des informations sur les intentions, les capacités et les activités de l'Allemagne. Personne n'en a tenu compte. Et pour travailler souvent avec les services étrangers, nos amis suisses ont un système qui est très très bien fait, c'est-à-dire qu'ils ont un contrôle parlementaire qui marche, que lorsque le patron des services suisses, alors bien sûr c'est un petit pays, mais lorsque le patron des services suisses passe une fois, deux fois, trois fois des informations au gouvernement fédéral et que le gouvernement fédéral n'en tient pas compte, il vient voir la commission de contrôle parlementaire. Et il leur dit, sous le sceau de la confidentialité, voilà, ça fait 3 fois que nous avons des renseignements de la plus haute importance que nous donnons aux autorités. Les autorités n'en tiennent pas compte. Donc vous, parlementaires, en tant qu'élu, bien sûr, de la nation, au bout de la troisième fois, je crois que c'est deuxième ou troisième fois, ils ont une règle, ça permet au patron de l'Assemblée fédérale d'aller voir le Premier ministre en disant, écoutez, voilà, c'est tout à fait anormal. Vous recevez régulièrement des informations de très grande qualité de la part des services si vous n'en tenez pas compte. Si nous avions eu ce système en 1939, peut-être que le destin aurait été légèrement différent. Je crois que c'est légèrement différent, tout simplement. Donc, des problèmes psychologiques, des problèmes politiques. Et puis, par voie de fait, nous avons aussi, dans la façon dont nous faisons le métier du renseignement, un certain nombre de caractéristiques très françaises. Par tradition, le renseignement français a toujours été orienté et excellent en matière de renseignement intérieur.
Ça aussi, c'est lié à la culture paysanne et à l'héritage de l'Ancien Régime, de la création de la nation, parce qu'il a quand même fallu faire vivre ensemble des régions qui n'avaient rien de commun entre elles. Je dirais à la fois le travail de police et le travail de surveillance intérieure a toujours été très bien fait chez nous, mais il a aussi marqué les esprits. C'est-à-dire que quand on parle d'espionnage, pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise vision de l'espionnage? Parce qu'on pense tout de suite aux renseignements généraux qui écoutaient les partis politiques, on pense à la police de Vidocq, on pense aux activités de Fouché, on pense bien sûr au comité de salut public. Et c'est vrai que nous excellons dans le travail de surveillance intérieure, nous excellons dans le travail de flic, si vous me permettez cette trivialité, alors que nous sommes beaucoup moins bons dans le travail à l'étranger. Ça, c'est le premier trait. Le renseignement français est d'abord un renseignement intérieur, et je pense qu'on est vraiment parmi les meilleurs au monde en la matière. Par contre, dès que nous sommes en dehors de nos frontières, on joue en bas de tableau de première division. Nous avons des qualités, mais nous ne sommes pas les meilleurs au monde. Deuxième trait qui caractérise le renseignement français, c'est que nous avons une espèce de mythe et de penchant pour l'action. Et ça nous vient de la Seconde Guerre mondiale, où la France ayant été occupée par l'Allemagne, nous confondons la recherche du renseignement avec l'action clandestine. C'est l'affaire Greenpeace, c'est d'ailleurs la récente tentative de libération des otages. Nous avons dans nos services secrets des commandos. Ce qui est une aberration contre l'esprit. Quand on recherche du renseignement, quand on monte des réseaux à l'étranger, quand on doit voler des secrets, quand on doit infiltrer des réseaux adverses, le métier de renseignement est un métier de particulier qui n'a rien à voir avec l'action violente d'unités armées dont on a besoin par ailleurs. Mais par tradition, les services français depuis 1940 ont toujours conservé entre 500 et 1 millier de combattants qui techniquement font du travail d'opération spéciale parce qu'ils font très très peu de travail d'opération clandestine. Et ça joue aussi sur la perception du renseignement que nous avons. L'affaire Greenpeace en est un merveilleux exemple. Cette opération mal conçue, mal conduite, dans laquelle en plus nous n'avons pas eu de chance, a contribué à donner une image un peu plus négative de la DGSE, qui par ailleurs réussit des opérations tout à fait exceptionnelles par ailleurs. Donc ça, c'est le deuxième trait français. On est beaucoup plus tourné vers ce qu'on appelle le service spécial. Faire des coups, essayer de changer les règles du jeu dans le monde, alors qu'en fait le vrai métier du renseignement, tel que le font les Britanniques, tel que le font les Soviétiques, tel que le font les Israéliens aussi, est un métier qui est beaucoup plus dans la recherche de l'information à haute valeur ajoutée, qui permet d'influer ou en tout cas d'anticiper les événements. Ça, ce sont vraiment les deux traits qui nous caractérisent en particulier. Le troisième trait, c'est que nous sommes un des seuls pays occidentaux à rester avec un renseignement qui est soit policier, soit militaire. Nous n'avons pas de structure civile au sens propre du terme. C'est-à-dire que nos services de renseignement extérieur, la DRM ou la DGSE, sont des services en grande majorité militaires. Et nos services intérieurs sont des services en grande majorité policiers. Partout ailleurs, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Bulgarie, en Roumanie, en Allemagne, ce sont des civils. C'est-à-dire qu'on considère que le métier d'enseignement est un métier à part entière. Vous savez que quand on va au Bureau international du travail, on ne trouve pas le métier d'espion. On trouve tous les métiers, y compris celui des jeunes femmes qu'on trouve à la périphérie des grandes villes, avec qui nous nous disputons pour savoir quel est le plus vieux métier du monde. Nous considérons évidemment que c'est nous, parce que pour les trouver, il fallait bien du renseignement. Mais en dehors de ça, on ne trouve pas le mot espion au Bureau international du travail. Mais en France, on ne trouve même pas le métier de renseignement en tant que civil. C'est-à-dire que dans notre mentalité, ça veut dire que le renseignement est un métier qui est soit lié à la défense, donc est un métier de soldat, avec ses aspects nobles, bien sûr, ou un métier de policier. Et ça aussi, c'est une grande caractéristique française. L'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique ont de véritables... La Belgique, je vous dis peut-être une bêtise. Les autres pays ont considéré que c'était un métier de civil. Être policier est un métier, être militaire est un métier, et faire du renseignement est un troisième métier. Donc ce sont toute une série de petites notions qui montrent cette perception très française du renseignement. Alors au-delà de ces aspects un petit peu critiques que j'évoque avec vous, il y a aussi de vraies raisons d'être fiers de ce que nous avons fait. Nous avons une des plus vieilles traditions du renseignement au monde. On la retrouve essentiellement à partir de Louis XI, parce que c'est la vraie concentration de l'État français. On le retrouve sous Louis XV. Louis XV est le secret du roi pour la succession du trône de Pologne et a mené des opérations tout à fait remarquables. Napoléon, entre autres, qui a tenté de déstabiliser toute l'Amérique latine par différents moyens, a fait appel aussi au renseignement. Mais tout au long de l'histoire de France, ça apparaît, ça disparaît. Ceci dit, je vous avoue qu'on trouve à peu près la même chose dans les autres grands États européens. Seulement depuis 1940, où les services sont devenus dans toutes les
démocratie et dans les autres pays, des institutions permanentes. Nous nous caractérisons alors par deux choses, généralement des effectifs et des budgets plus faibles que les pays qui ont à peu près la même taille que nous. En France, on a aujourd'hui à peu près 13 000 personnes dans la communauté du renseignement. Les Britanniques, qui sont un tout petit peu moins nombreux que nous, qui ont à peu près les mêmes responsabilités internationales que nous, tournent à plus de 20 000. Un rapport de 1,5 avec des budgets beaucoup plus importants. Les Allemands, qui sont plus nombreux que nous, mais qui ont moins de responsabilités internationales que nous, tournent à peu près à 16 à 18 000. Les Américains sont près de 100 000. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, ce ne sont pas les budgets qui font la qualité. Certes, mais ça traduit quand même l'importance et les moyens financiers que l'on accorde à nos, aux femmes et aux hommes qui sont dans ce métier. Mais malgré ça, il y a quelque chose d'assez magique, et je ne sais pas dans vos activités si vous l'observez tous les jours, plus on travaille sur la question française, plus on a des raisons de se plaindre, et plus à la fin on ne comprend pas pourquoi ça marche, parce que malgré tout ça marche. Moi j'avoue que je suis toujours absolument sidéré quand on rentre dans l'étude des ressorts de notre communauté nationale. Il y a des choses hautement critiquables, et malgré tout ça marche, et ça marche souvent plutôt mieux qu'ailleurs. Malgré tous les défauts dont sont responsables nos dirigeants politiques et non pas nos services depuis de longues années, nous avons encore les seuls services du renseignement qui couvrent quasiment la planète entière, à quelques exceptions près. Nous sommes les seuls, en tout cas en Europe, qui couvrons l'ensemble des domaines techniques du renseignement. On est capable de faire des écoutes de grande qualité. Nous avons un certain nombre d'opérateurs qui sont dans toutes les régions du monde. Nous avons des satellites, nous avons des moyens d'observation de la Terre. Alors les satellites, c'est soit pour l'imagerie, soit pour les interceptions. Notre renseignement militaire, comme notre renseignement civil, est de grande qualité. Notre contre-espionnage est aussi de grande qualité. Comme toujours, le français peuple tactique est très, très débrouillard, très capable de réagir, et nous obtenons des résultats. Mais ce que je critique dans ce livre, c'est que je lutte contre cette propension française à se dire « de toute façon, on se débrouillera toujours ». On est capable de sortir des ornières et de renaître de nos cendres, mais il y a une espèce de culture de la médiocrité et de l'échec qui m'insupporte profondément et contre laquelle je m'insurge. Surtout que, et c'est un des points sur lesquels j'insiste, depuis le 11 septembre 2001, alors que tous les grands pays occidentaux ont augmenté leur budget, leurs effectifs de manière extrêmement significative. Plus 67% pour le FBI, plus 50% pour les Anglais. La CIA a quasiment redoublé ses effectifs. En France, nous avons pris 5 à 10% d'augmentation de budget dans les années 95, on a arrêté en 2000. Et ces dernières années, les augmentations budgétaires qui ont été notamment impulsées par Nicolas Sarkozy restent extrêmement modestes. Ça ne veut pas dire que les personnes au sein des services ne font pas bien leur travail. Mais là, il y a un vrai... On a tendance à se gausser des quelques efforts qui ont été faits et qui sont, à mon sens, totalement insuffisants. Mais vous l'avez compris, d'une certaine façon, je suis un lobbyiste du renseignement. Je me bats bec et ongles pour mes camarades qui sont encore dans les technostructures. Mais le problème est le même dans l'entreprise. Comment pouvons-nous faire, nous, Français, pour améliorer notre vision du monde, pour améliorer notre démarche de recueil d'informations? Vous savez, on le voit même dans le domaine tout ce qui est information électronique, nous sommes les 8e producteurs d'informations au monde, à travers la presse, l'édition, toutes les bases de données. Et nous sommes les 16e utilisateurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un domaine où nous produisons plus d'informations, nous utilisons deux fois moins d'informations que nous en produisons. Alors qu'en réalité, on devrait en utiliser quatre fois plus qu'on produit, puisqu'on peut utiliser l'information qui est produite par les Japonais, les Américains. Et ça montre cette espèce de... Bien sûr, je suis obligé de faire quelques généralisations, parfois excessives, j'en conviens, mais ça montre cette espèce d'attitude française de... On sait par principe, on a des idées, nous sommes un peuple d'abstraction, on aime les concepts, mais l'information précise, on ne la recherche pas, et quand elle arrive, elle nous dérange assez souvent. Et c'est un vrai travail, je pense, en profondeur à faire dans les esprits français. Comment changer ça? Comment avoir une meilleure image du renseignement? Ce n'est pas parce qu'on travaille dans un service qu'on est nécessairement tordu, pervers, menteur, manipulateur. Peut-être un peu, mais j'exagère, évidemment. Parce que les qualités cardinales, en réalité, dont on a besoin dans l'enseignement, et je terminerai par ce point, sont à l'opposé de notre système éducatif français. C'est-à-dire que notre système éducatif français est un système rationnel, on est vraiment les héritiers de Descartes, donc il ne peut y avoir qu'une solution à une équation du second degré à deux inconnus, une et une seule. Or, aujourd'hui, il y a trois solutions à une équation du second degré à deux inconnus, et en plus, elles sont vraies en même temps tout en étant opposées. Ça, pour un esprit français, c'est absolument inconcevable. Pourquoi? Quelles sont les six grandes qualités dont on a besoin en renseignement? La première, la curiosité. Globalement, on ne peut pas franchement dire que nous sommes un peuple totalement curieux.
hein, cette espèce de volonté de regard sur ce qui nous entoure. Là encore une fois, l'héritage paysan fait que le paysan généralement n'est pas un grand curieux. Deuxième aspect, les qualités dont on a besoin, c'est quoi? La sagacité, la perspicacité, le flair, le... Vous voyez, on est dans, au sens propre, comme le disait Pascal, nous sommes dans des qualités féminines. Or, ce ne sont pas encore une fois des choses que notre système éducatif sait enseigner. Troisième aspect, on a beaucoup besoin de savoir gérer et prendre en compte l'irrationnel. Or, s'il y a une société qui est on ne peut plus rationnelle en Europe, c'est bien la société française. Nous bannissons la chance de nos évaluations. Moi, j'ai été officier de marine. Les Anglais notaient leurs officiers de marine en fonction de la chance. Le commandant d'une frégate dont le bateau s'échouait sur un banc de sable pendant qu'il dormait, alors que c'était le second qui commandait le bateau, ça pouvait arriver une fois, mais généralement, on ne lui donnait pas un plus grand commandement. Même s'il n'était pas responsable, on se disait, ce type-là n'a pas de chance. On ne va pas risquer un bateau avec un officier qui n'a pas de chance. Alors, bien sûr que c'est caricatural, mais c'est pour vous dire à quel point d'autres cultures que la nôtre intègrent des éléments qui, pour nous, nous semblent tout à fait fantasmagoriques, voire pas sérieux. Donc, la curiosité, l'irrationnel, ce sixième sens, quoi, la sagacité. Il y a aussi la créativité. Quand on fait du renseignement, on a besoin d'être créatif. Et qu'est-ce qui, dans notre système éducatif, nous apprend? D'abord, ce sont des savoirs tacites qui sont difficiles à enseigner, nous permet d'être créatif. Je ne sais pas. On ne sait pas enseigner la créativité, on sait détecter quelqu'un de créatif, on sait améliorer sa capacité à la créativité. Et il y en a un cinquième qui m'échappe à l'instant. Mais tout ça pour vous dire que finalement, quand on nous dit dans l'enseignement vous êtes tordu, vous ne pensez pas comme les autres, c'est parce que les modes de pensée dont on a besoin, que nous allons utiliser, sont totalement différents du mode de pensée cartésien. Et du coup, en France, les élites ne vont pas dans l'enseignement. Ça reste un métier connoté qui appartient à des grands corps, alors que dès qu'on va à l'étranger, les meilleurs éléments sortant des grandes universités anglaises, des grandes universités américaines, des grandes universités russes, vont de manière tout à fait naturelle servir l'État dans ces organismes un peu particuliers. Donc, en guise de conclusion, est-ce que les services secrets sont nuls? Non, bien sûr que non. Les services secrets français ne sont pas nuls. Nous avons de bonnes performances. Seulement, je dirais qu'avec l'arrogance qui nous caractérise, nous pensons être dans le top 5, je vais dire, des services. Or, objectivement, il faut reconnaître que nous ne sommes pas au niveau des Israéliens, des Britanniques, des Anglais, ni des Chinois, pour des raisons de budget, pour des raisons de savoir-faire, et que finalement, un peu comme un coureur du Tour de France, dans une étape de montagne, on décroche progressivement. Mais vu que les autres sont juste sur les lacets du dessus, on n'a pas l'impression qu'on est en train de décrocher, mais indéniablement, nous sommes en train de prendre du retard parce que nous n'investissons pas assez, parce que un certain nombre de formations en interne, de travail sur les élites sont faits de manière insuffisante. Et c'est aussi pour ça que je tire un peu la sonnette d'alarme en disant « essayons de limiter au maximum ce décrochage ». Voilà quelques considérations très générales en ouverture.